Le Loiret a subi des inondations importantes et habitant un appartement en rez-de-chaussée, j'ai eu 70 cm d'eau dans toute la maison et du coup j'ai perdu la quasi-totalité de mes biens, notamment les affaires pour notre enfant. Notre conseiller mutuel nous a téléphoné pour nous proposer une aide d'urgence d'une somme de 1000 euros, ce qui nous a permis d'acheter tous les biens de première nécessité, comme un matelas, des couches ou des vêtements pour notre enfant. J'ai fait appel à la mutuelle de l'armée de l'air pour pouvoir bénéficier d'une aide aux études supérieures pour mon enfant qui est entré à l'université. Donc cette aide m'a été très bénéfique pour subvenir aux frais liés aux études supérieures. Cette aide a été versée sur mon compte bancaire dans un délai d'un mois environ. Donc la première année se termine, je vais pouvoir à la rentrée bénéficier une deuxième fois de cette allocation. Je vais donc recontacter mon délégué mutuel, reconstituer le dossier pour pouvoir bénéficier de cette aide qui m'est très bénéfique pour tous les frais engendrés lors des études supérieures. J'ai contacté la mutuelle car j'avais en projet de faire une construction de maison et donc j'avais besoin en fin de compte d'un apport financier. Le projet de construction d'une maison, c'est un petit peu le projet de toute une vie, de pouvoir mettre à l'abri toute sa famille. Et ceci est permis grâce à la mutuelle de faire un très bel apport. Je ne garde en fin de compte que du positif de cette expérience puisque ça m'a permis de construire ma maison et donc c'est que du bonheur. En 2015, ma fille de 10 ans a tragiquement perdu sa maman. Suite à ça, je suis allé voir un conseiller mutuel qui m'a parlé d'une aide qui existait, donc l'aide aux orphelins. La relation avec le conseiller mutuel était très bonne puisque tout de suite il m'a orienté vers l'aide correspondante à la situation. L'aide de la mutuelle a permis d'avoir une somme d'argent de 450 euros afin de pallier les difficultés liées à des gardes ou à l'éducation de ma fille. Nous travaillons tous les deux à la Silicon Valley d'aviateur sur la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy. Notre travail est de soutenir nos militaires et nos ressortissants au sein de la base. On s'occupe du bien-être des militaires, de leurs familles et des civils de la défense de la base. Et quand ils ont un souci, un problème, ils viennent nous voir et on les aide si on peut. Sinon, on les envoie vers les services concernés. Quand ils ont besoin d'aide particulière, je les envoie vers le délégué de la mutuelle de l'armée de l'air. À partir de là, je reçois donc les personnes, j'étudie leur situation, je regarde s'ils rentrent dans les critères. On monte un dossier qui est transmis à la mutuelle de l'armée de l'air au niveau de Paris. Ce dossier est étudié en commission et une réponse est donnée donc à l'adhérent. Si l'adhérent a quelques soucis, quelques questions ou son suivi de dossier, il peut s'adresser à moi, je lui donnerai donc l'état d'avancement. J'ai également été élu en tant qu'administrateur de la mutuelle, donc ça me permet de pouvoir et travailler sur les aides que j'apporte à nos adhérents et travailler sur l'amélioration des aides qu'on apportera à nos adhérents en conseil d'administration. We'll be right back.
donner le dossier à constituer avec la liste des documents à fournir et reconstituer un dossier avec l'aide de mon délégué mutuel qui se chargera de retransmettre ce document. Lors des commissions de défense administration.